relation favorable et cours des portes qui n'a même parlementaire ou pour cette politique pour barrer le monde pour avoir un candidat en face et empêcher les citoyens de jouer de droits politiques. Et parfois l'hypothèque, et parfois il y a des gens qui sont malades, ils sont à l'hôpital, ils ne peuvent pas vendre bien ou bien pour soigner, ils ne peuvent pas vendre bien ou bien pour payer l'école de Simonio, c'est une situation qui est inacceptable. L'autre élément encore, c'est que chaque mec qui est ministre des Affaires de l'État par expérience, lui-même, c'est pas qu'à faire l'État encore, chaque fois que son gouvernement, il va chercher au moins qui va prendre un l'État généralement, parce que c'est seulement qui parle pour le message. Mais qui fait qu'on n'a pas qu'à bénéficier de l'expérience et citoyen. Et puis troisième problème, t'as besoin, c'est qu'un monde qui est sérieux, et un pire monde sérieux, le placaille, il va à l'administre, pour vous savoir l'administre, parce que vous pouvez, qu'on a peur d'hypothéquer, si vous n'avez pas vu de bien, il y a même qui vous parle de l'hypothèque, il n'y a pas besoin de communiquer des choses. Donc son sentiment est de justice, et je pense que le conseil des ministres a baillé justice, il est établi, et citoyen, ça a un rapport favorable pour des comptes, bien entendu, c'est ça qu'il a dit, il est établi dans le droit. Ah non, mais on ne va pas corriger l'injustice là tout avec la loi du talon, œil pour œil, dent pour dent. Venir avec référent, venir avec base légale, sous ça nous puiser, effectivement, pour décision ça a campé correctement. Et malheureusement, parfois, on ne va pas faire attention. La décharge, en fait, doit être annuelle. Lorsque ton nouveau budget, c'est ça la loi dit, lorsque ton nouveau budget, et on a vraiment un nouveau budget, ça doit être, ou entériner l'action qui était faite l'année dernière sur l'exercice qui passait là. Donc normalement, chaque année, chaque mois, on a un nouveau budget, donc c'est donc nous décharger de l'action de l'année dernière. Est-ce que depuis 2019, on va avoir un nouveau budget? Bien sûr que nous avons un nouveau budget. Donc c'est pour ça qu'on va écouter les gars, les personnes, les gars, parce que la décharge est annuelle. Et les institutions doivent faire leur travail. Et parce que ça, c'est pas ni illégal, au contraire, soit action légale, soit action de justice. Oh, mais c'est légal. Bon, référence. Si bon référence, gagner, et ça nous relève. Et en droit. La loi sur le budget et le règlement Okay. Oui, mais, et qui ça nous fait de l'article 233 Constitution 87 là qui dit c'est une commission parlementaire, 15 membres, parmi eux 9 députés et 6 sénateurs, qui gagnent pour exposer dans un rapport sous gestion ministre, une façon pour qu'ils soient capables de permettre deux assemblées au bail des charges axilaires qui tapent gérer l'argent l'État dans le plus haut niveau. C'est une activité parlementaire, responsabilité parlementaire, parce que nous avons l'occasion de demander du parlementaire pour savoir ce travail. Et maintenant, parce que si on est simple, nous avons des accès et des excès pour être capable de défendre et poste par eux, pas justifier que nous sommes citoyens dans une situation pour lequel nous avons la civile, la politique. Mais est-ce que le pouvoir ça, qu'on l'a donné bien placé pour lui agir dans l'autre pouvoir que le dégagé obligation pour le faire élection pour mettre en place quand même. Bon, et pour la chance, on termine à chaque fois. Ça veut dire, là, nous pas gagnons un parlement qui est fonctionnel. Je vais vous une question de vous retirer mon bon labour. On allez. Et si on fait ça, on termine à chaque fois que le pouvoir ça et le déplacer pour faire élection, mais pas faire élection. Moi, je veux dire, avec une valentine parce que justement, vous avez décidé de faire élection. Vous n'avez pas fait élection parce que la mémoire électorale, vous n'avez pas fait élection parce que personne n'est pas d'accord pour mettre le conseil électoral permanent. Et c'est pas une situation commune avec le Jovenel Moïse, c'est une situation à 30 jours depuis 30 ans. Je veux dire, là, et nous-mêmes qui avons une connaissance approfondie de l'actualité politique, parce que c'est le métier de l'intérêt de jour, c'est le fait que j'ai dit derrière. Et pour la vérité, histoire plein plein. Chaque année, on peut organiser notre mandat, et pas bien les côtés faites, et pas bien les côtés, et nous, je crois qu'on peut être côté permanent, pas qu'il va jamais mettre les côtés. Donc, l'histoire n'a pas commencé avec Jovenel Moïse. Jovenel Moïse a essayé de corriger ce qu'il peut corriger. Et moi, c'est pas une bonne manière de corriger ce qu'il corrige. Oui, la majorité, mais l'idée est pour certaines choses, pour certaines choses, par exemple, nous avons la majorité, volume de prêts qui prend la réalité, parce que tout ce qui est la conseil de la réalité, nous devons le parler, on va la montrer. Vous comprenez? Donc, majorité a marché pour certaines choses, pour d'autres choses, ça va marcher parce que notre système peut être, qui n'est pas structuré, nous qui viennent parlementer, on va nous parlementer parce que nous voulons l'idéologie, parce que nous créons un communion structure politique, nous voulons parlementer parce qu'il y a des femmes. Le bagage, puis nous voulons voir, il va nous guider du pays, il va nous guider parce que nous la société. Monsieur Libéris, tes arguments ne tiennent pas la route. Tu sais pourquoi?
la loi de règlement n'a jamais voté au Parlement. Comment, comment? La loi de règlement n'a jamais été votée au Parlement. Sous le nouveau budget dans le Parlement. Et que le parlementaire statue sur le budget. Ça veut dire que ça a été ministre du exercice précédent. C'est ça que ça veut dire. Mais à chaque fois, on vote un nouveau budget depuis le chargé. Donc, question de charge, mais c'est juste un subterfuge. Quand il y a des gens qui ont été capables de recruter, nous n'avons presque aucun. Donc, c'est quand même, en fait, on a des principes. Les principes fondamentaux qui font notre société parce que nous agissons ensemble. Un principe qui veut que chacun doit pouvoir jouer de ses droits civils et politiques. Un principe qui fait que si on est dans la finale, on peut gagner. On peut gagner, on est dans une situation, on peut ni condamner, on peut ni décharger. Moi, parce que c'est la responsabilité en fait, des autorités politiques de décider ce qui a été fait. En tout cas, je prescris l'article 150 de la Constitution. Pardon? Prescrire l'article 150 Constitution. On peut prescrire tout ce qu'on veut. Mais il faut comprendre que dans le pays, ça a l'injustice, pas égaler à tout le monde. Mais quand il doit accéder à l'injustice qui peut être, tout le monde est dans le monde, c'est une constitution de la loi, etc. C'est la loi que nous suivons de la loi. C'est la loi que nous suivons de la loi. C'est la loi que nous suivons de la loi. Donc c'est la loi. C'est très très évident que la loi n'a pas de la loi. Donc c'est pas seulement pour la ville, la loi, il n'y a pas de ville, mon père. On a rétabli les citoyens en fait dans leurs droits. Qu'est-ce qui a été fait à travers une décision inconstitutionnelle? La décision n'est pas inconstitutionnelle. Oui, mais c'est la décision qui a été passée pour des charges aux fonctionnaires sérieux quand même. Qui est-ce qui a été bâillé des charges? Parlement. Allemagne est le gouvernement des charges. Oui, mais connaît qui est-ce qui bâille exécutif la droite le bailler lui-même. Mais l'État haïtien, parce que l'État haïtien, c'est pas le fait de l'État haïtien, mais c'est pas exécutif, c'est pas le droit de bailler. Parce que l'État haïtien fait partie d'une signe par la convention internationale, donc par exemple, ou la convention américaine de Babylone, ou la convention internationale, qui est intéressant de jouer les droits suivis la politique de l'eau. Donc ça, c'est la relation systématique. Je n'ai pas de nous prendre des engagements, mais nous disons que c'est l'État. Nous n'avons pas aucun pied dans la situation. Comme que vous êtes dans la tête, nous qui connaissons la situation. Mais comme c'est le dialogue que nous avons dit, nous n'avons pas de nous mettre en balance. Nous n'avons pas de ministre parmi ça. Nous n'avons pas de l'État, mais nous n'avons pas de l'État. Non, c'est pas du tout. C'est un choix d'individu que nous avons fait à travers le conseil des ministres. Donc ce n'est pas la même chose que nous avons eu. Ce n'est pas la même chose que nous avons eu. Le ministre, premier ministre, sous-gouvernement, PHTK, ou bien comment l'autre parti a été élu, Michel Matelian. Non, je ne sais pas. C'est ça, c'est ça. C'est pas une décision partisane, c'est une décision de justice pour le pays, et c'est en réalité tout le monde comprend la terre. Avant la veille, sous même ligne, périssent les colonies, demeurent les principes. Périssent les colonies, demeurent les principes. Le travail non fait, écoutez ma question, le travail non fait du Parlement ne saurait en aucune façon, M. Lubéris, justifier la violation de la Constitution. La Constitution n'a pas été violée. Et le principe de base, justement, c'est le principe qui fait qu'on n'est pas capable de violer les droits civils citoyens, ou pas violer les droits politiques citoyens. Moi, c'est ce principe qui a pour nous défendre la terre. Non, mais qui est-ce qui a droit à bail d'échange? Si la Constitution n'a pas été violée, qui est-ce qui a droit pour bail d'échange? Non, et droit bail d'échange, on a dit, par exemple, il a manger pour le peuple, exécutif, ça lui même au nom de principes fondamentaux qui t'a voulu que pour vous les droits civils et les droits politiques citoyens, ni pour décision, sur 30 gagnants, ce qui là-haut. Non, non, non,
et respect principe trois pouvoirs, autonomie. Avec vos bonnes bagailles, oui, pour le Sénat, tu fais pas faire. À n'importe quel moment, exécution, tu as dit samedi 7 et puis tu as dit, même si c'est pouvoir judiciaire, là, tout. Mais la décision, pour te pas prendre, soit dans l'intérêt exécutif, dans le président, c'est ça qui est en jeu, Justement, si on n'a pas parlé du principe qu'il y a entre les lignes, c'est que la même du moral, c'est plus que le milieu, qu'il y a entre les lignes, le principe de base, c'est que on l'État n'a pas arrivé pour la violée et droit citoyen. Donc, le président de l'exécutif a gagné pour obligation pour les suspendre, pour les chauffer, c'est ça. Je pense que ça, c'est un principe fondamental, c'est un principe supérieur par rapport à toutes les places que vous avez évoquées là. Dans l'idéal, nous avons mis que chaque année, les parlementaires réunis de manière civilisée, pour faire un réponse, il a écouté mon message. Mais là, il faut que tu aies constaté que pendant 30 ans, la délégation de la citoyenne, il faut que tu aies suivi réagir. C'est ce qui a été fait. Il n'y a pas de place. L'article 154 là qui dit que le président n'a pas gagné pouvoir que sa constitution en Bali. L'article 136 là, président, c'est garant bonne marche institution. Mais président, pas doué jouer l'autre institution, les failles dans la mission. Mais le président n'a pas joué le rôle. Tout ce qui est de l'exécutif est justice. Bon, et on a dit que l'élu national a le droit de défendre les citoyens. Oh, il a le droit de défendre le pays. Et c'est ce qui a été fait. Mm-hmm. Ok, Renaldi Berus, est-ce qu'il est disponible liste fonctionnaire SAIO qui bénéficie des charges qui côté le cas. Est-ce qu'il est disponible? Eh bien, justement, on ne sait pas qu'il n'y a pas une question de liste. On défait tout un article. Article là dit que tout citoyen qui peut servir l'État de 91 à 2017, qui doit avoir un rapport d'appel favorable, il bénéficie pleine et entière du charge. C'est tout citoyen qui peut servir l'État la donne. Mais ce n'est pas pour lui sur le à la même question. Mais ce principe est de base qui est mis en place pour permettre aux citoyens de recourir le droit civil à la politique. Donc ça veut dire même si l'AEO qui est impliqué dans le dossier Petro Caldea. Regardez avec la justice, avec le contre, ce que j'ai pu faire à la fin de la vie pour moi, pour faire donc c'est un peu antinomique. Donc vous voyez balle là dans le pied là, pour les comptes là. Vous voyez balle là dans le pied la justice, vous voyez balle là dans le pied. Tout le monde qui est intéressé avec justice, avec droit, ce qui s'allie. Parce que si on est un droit favorable, au nom de qui ça, vous servir nos situations pour les bagages individuels. Expliquez-moi, qui ça t'a justifié? Au nom de la constitution, c'est ça? Franchement. Bon. Eh bien, l'autre sujet, c'est que on décret non. Électoral qui est publié. Et là, nous sommes élection, on est allé. Ah ben oui, mais son élection est allée. Et cette fois-ci, on ne va pas pouvoir dire que l'exécutif n'a pas fait l'élection. On est d'accord.
dans situation nous là à côté et nous gagnons presque 4 et même 5 départements qui bloqués en situation insécurité généralisée. Nous pensons que l'exécutif l'a fait assez pour permettre que de monde là qui est candidat à faire campagne dans des zones qui sont là dans le pays. Donc, ça dépend du public qui s'en a défendu comme principe. Est-ce qu'il a défendu principe que les gens qui pouvaient diriger nos élections, c'est l'élection pour sortir de la tête de la choisir? Ou bien est-ce qu'il a défendu principe que les conditions réunies et nous faisons la choisir, les conditions pas réunies et nous mettons nous-mêmes? Et quelle que soit la situation, les élections sont une obligation. Quelle que soit la situation, même dans les pays en guerre, les élections se tiennent pour renouveler le personnel politique. Maintenant, évidemment qu'il faut sécuriser la population. Évidemment qu'une bataille pour faire mieux, il faut et la police tienne pour sécuriser la population. Évidemment que par exemple, dans la situation, ça, on peut être dans la population et on fait même dans ça. Mais c'est pas une raison pour moi à côté de prendre l'interrogation sur l'élection. Les élections sont une obligation et les élections auront lieu. Et pourquoi pas une justice du pouvoir contre l'insécurité? Pourquoi pas une justice... Alors, M. Lubéris, pourquoi pas une justice du pouvoir contre l'insécurité qui sévit dans le pays? Une justice du pouvoir en faveur de que tout le monde sait qui courit matissant et caïboulé, pas qu'à tourner la caillou. Monde qui veut traverser tout matissant pour venir travailler, qui n'est pas capable. Ça, bon, moi, oui, votre commissariat fermé. Son situation est déplorable et d'obsé, à la fois pour mon objectif. C'est caillou parce que Bandit et c'est sur celle qu'on chante énormément, ou bien qui pas traverser par la caillou, même à l'exercice d'activité économique ou bien de loisirs. Son situation déplorable, une situation inacceptable. Mais là, nous faisons constat que nous avons des qui chaque mettez nous là. Vous pouvez imaginer une seule seconde là, je veux dire, là, vous avez l'armée qui structure la donne, comment pour nous pour aller, qui a fait deal pour encadrer, pour me connaître qui est en tant que deal pour encadrer, qui fait le mettre et tenir dans un là. C'est impossible. Nous faisons des choix politiques, nous faisons des choix sociaux qui sont destructeurs. Parce qu'en fait, nous avons fait des vengeances personnelles, nous arrivons et prendre à hauteur justement pour nous poser des actions qui permettent de nous renforcer ce CDA. Nous désirons l'État du Valier, nous voulons du Valier ensemble avec l'État. Mm-hmm. Et puis l'État, ça, même l'État, ça nous demande pour protéger la population. Okay. Donc aujourd'hui, la réalité est que cet État-là est incapable de protéger correctement sa population. C'est pas seulement, c'est pour ça que 10 ans de temps avec une force étrangère, militaire étrangère, oui, dans le pays-là. Mm-hmm. C'est pas 84 ans, je vous dis à la patrie. C'est des ministres, les mecs de Solera décident la plus de campagne, les ministres et mettent Charles à côté à là et puis ils sont rentrés. Nous, je veux dire, nous n'avons pas de ministre encore, nous avons la police, nous faisons choix à la police pour nous, nous disons que la police, nous avons besoin de l'armée, et puis, nous allons chercher les armes, nous disons, ah, nous n'avons pas besoin de nous importer les armes, et puis, nous disons, sécurité population en bas. En bon père de famille, et nous avons retourné dans l'article 136 Constitution, père de famille, il doit identifier les besoins. Mais il veut prioriser, priorité également, et accepter l'égalisme. Non, pour qui ça nous fait des priorités, nous? Il décharge pour nous aller dans l'élection. Alors que pour aller dans l'élection, il faut que nous ayons un vote. Si nous ayons un vote, il faut que nous ayons déplacé à le voter. Et nous connaissons presque 5 départements qui ont handicapés dans le pays depuis un mois. Pour qui ça, c'est pas l'insécurité à nous faire des priorités, nous? Parce que n'a besoin de moun sa yo pour aller voter dans l'élection que n'a baï di chay pour aujourd'hui. Vraiment, c'est pas juste pour dire que priorité nous, c'est des charges pour aller à l'élection. Non, priorité nous, c'est rendre justice à PIA, à un pays de citoyens qui s'agit de PIA. Priorité nous, mais c'est ça lié, oui. Priorité nous, par exemple, admettons qu'on a décidé de dire que, ah, mais moun sa yo pas arrivé à gérer l'insécurité correctement. Ah, mais justement, si vous arrivez à gérer les problèmes d'insécurité correctement, il faut des élections pour renouveler le personnel politique. C'est-à-dire, quel que soit le type de problème logique qu'on va le poser là, ou à retourner dans l'élection, parce qu'en fait, s'il y a des problèmes, il faut de nouvelles personnes. S'il y a des gens qui ne sont pas capables, il faut de nouvelles personnes. Si il y a des problèmes structurels, nous sommes arrivés à des réponses structurelles, et bien, le président arrive dans ce mandat, il faut que le président qui monte. Donc, c'est un mot, le président général, il ne va pas arriver à l'intérieur, il dit que bon, il y a trop de priorités dans le pays à la présidence, parce qu'on ne peut pas aller à toujours. Et bon, je ne suis pas d'accord, nous ne sommes pas d'accord. Et bien, je dis à l'arrivée pour faire élection, pour nous faire sur la politique, malgré le problème, évidemment, le problème taille, il faut que mon nouveau groupe, mon nouveau staff qui vient sous pouvoir, pour continuer à gérer le problème, pour continuer à répondre à ce problème. C'est ça lié dans tout le pays.
Eh bien, avant, vous avez une dernière question, vous voulez? Une dernière question, M. Libéris. Donc avant d'aller, M. Libéris, nous avons une image qui t'a circulé sur les réseaux sociaux pendant toute semaine passée, qui montrait machine nous t'es bloqué dans la boue alors que t'es sur route pour aller la caillou. Donc c'est un peu le monde critiqué par rapport à la position qui était capable de faciliter route l'en fait. Est-ce que au niveau de position où il est comme secrétaire général du Conseil des ministres, ou bien tout facilité ça? Bon, son question bien personnelle, vous posez là. Bonne petite révélation pour vous. Madame Gant, que l'autorité, machine de poulet dans la boue, parce que zone ça va exister avant de venir la donne, non, parce que pas de autre route, pas de gant qu'il y en a. Vous comprenez? Et zone ça, pas de gant qu'il y en a, tout quoi, que l'autorité a quitté votre voie, par exemple, dans la section communale, elle fait des groupements, elle fait l'acte dans des pieds bois. Là où la machine de poulet, dans la boue, dans la boue, dans la boue, tout fait l'acte. Nous pas que l'autorité porte au point spécial et pour autorité porte au point généralement ça vous fait le week-end arrivé, c'est pas dans la boule à l'état qui est au point au bâti. Donc, malheureusement, et mon qui fait une vidéo à titre mal inspiré, vous êtes à ce point de prendre tout non. Vous avez oublié que machine de polyam, t'es venu en son tracteur moi-même à prendre un rivière pour la population, mais pas filmer ça. Il va filmer et volume de fois, nous dans la boue, tout ce qu'on a poulé dans la boue, on sait le quoi, non? On a poulé dans la boue pour m'aider à faire route, c'est passage, c'est ce qu'on a totalement abandonné pour faire ouverture, pour mettre mon mur à passer sur moto. Parce que je ne peux pas aller à Pierre-Renel, c'est une zone pour les terrains plus que l'État, c'est plus mon mourir. On ne peut pas être plus mon mourir? Premièrement, pour problème de, deuxièmement, les mourir pour les gars, parce qu'on trace pour débattre avec moto pour arriver à céder dans village, dans la ville qui est tout près, de la deux, bien quoi faire, etc. Donc, je dis à là, et bien route, etc. Bon, pas de temps, évidemment, on ne peut pas tout faire d'un coup. Mais franchement, moi, on m'a retiré les règles de la parce que n'importe quel bon titre, il faut que tu pas de la section communale, ça, il n'y a pas de problème. Ok. Dernière question bon, pour nous finir. Quelle est l'installation, bien président, procéder à l'installation nouveau conseil CSPJO, puisque ça a été fait depuis 3 juillet et jeudi là, nous lever avec un CSPJ dysfonctionnel. Et pas exactement donné ça à nous, mais je vais regarder pour nous connaître ce que bon, cette enseignante qui avait été faite. Je connais exactement que la situation et situation est mauvaise. Est-ce qu'en tout cas, tu as fini quitte là pour installer ce premier ministre là avec l'équipe? Comment? Et concernant le premier ministre là, avec l'équipe, tout le temps, quand tu as fini quitte net? Un premier ministre là? Eh. Italien. Non, bon nouveau, oui, qui paraît peut-être lui là. Il dit même que l'équipe est en bas, il va remettre. Beaucoup. Ah, mais vous connaissez beaucoup Garité. Moi, c'est que nous tout prêts, mais beaucoup Garité, non, qui nomme le premier ministre là. Ok, d'accord. Vous êtes capable de ça aujourd'hui, hein? Bon, je pense que le président travaille sur ça, et l'éducation s'est sorti aujourd'hui, ou bien de même, bah, on n'est même pas sur la période. En tout cas, tous les efforts sont en train d'être faits pour pouvoir avancer. C'est un gouvernement large-mollage? Un gouvernement large-mollage avec des opposants, des mondes qui pensent différemment des journaux Moïse pour permettre que nous rejoignions une situation de paix pour nous avancer et résoudre un tel de problèmes. Des opposants, vous et moi, ou bien des opposants cap la net, cap pas et tout comme. Vous, Olivier, il y a le gouvernement qui peut monter. Oui, tout là, nous aperçu. L'État souhaitable, pour l'entrée de la politique, bien des idées. Qui contraire avec nous, cap gouverner, et puis pour nous, nous, ensemble avec le gouvernement, ensemble, que c'est le leader qui vient pour appliquer l'idée. Mais parfois, et pour des raisons, par exemple, pour des bains. Mais pour les gens, c'est pas fort, tu gagnes les tout. Gagnez en pile là-dedans, c'est mon politique, oui, par l'élection. Oui. Et vous connaissez les ministres, comme ça, vous gagnez ça. C'est vous plaît. C'est pas deviné parce que vous est ça bloqué. Donc, il n'y a pas de problème. Mais le problème de ça, c'est pas vraiment, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est ça. Ou bien WhatsApp, nous opposants qui parlent par toute tête, mais vous avez dit que vous avez envoyé un monde et puis vous avez caché des lits pour qu'on paye à gaspiller net. Vous avez tiré référence à vous pour nous, les n'a pas élis là pour le peuple, qu'on est clair pour clair. Mais nous ne pas mettre le nom. Non, dites pas. Nous ne pas prévenir les sources. D'accord. Il y a ici, madame, toi. Pourquoi vous avez un bonjour pour que madame ici? Ok, d'accord. Merci. Bonne journée. D'accord. 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 Bonne journée. D'accord.